tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a l'onction est différent. Vous êtes bon, digne de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changer. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouvé. C'est un message qui te bougette là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de comprendre qui tu es. Mon reportage est une chose bien important avec Zut. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu, ok, ce deuxième fois et ce troisième fois aussi, la Bible dit à moi qu'il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fin de Moïse non ni. Les fin descend les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa banne instrument de Saban bien là, les cachettes comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, mon courage, toi qui peux suivre ce ministère, pour vous donner une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il est pour être arrosé. Dieu finit de nous une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temps qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, l'Église est toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu arrose toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans l'équerre pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et tout quelque chose de pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi, nous n'a plaisir qu'à nous pour laquelle tu es capable de faire tes semences financières. Il est capable d'un don, il est capable d'une offrande et aussi tout la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous ne pouvons pas faire plus qu'autre chose encore. Nous sommes contents, cette année-là, 2023, faire au-delà de ce qui nous fait faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment et s'installer une technologie qui pour capable bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui sont établis. Beaucoup finent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, ça l'année là, 2022, nous finissons bien mettre le temple, une bonne structure pour qu'ils ne soient pas continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple une petite chose qui nous est là, okay, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas pourquoi pas faire cela tout seul. Mon besoin te l'aide, si toi tu l'as, tu dis moi, Man of God, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi. Nous l'épaule cette vision tous les mois. Nous l'évinons un partenaire financier avec nous la dîme tous les mois. Nous l'offrons, nous l'offrons. Toi qui là, qui suivent toute bonne prédication qui est dans le YouTube, nous l'offrons, nous l'offrons. Pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage toi pour te capable sème de semences financières. La Bible considère une offrande. Ok, comment une semence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, moi, je suis content, je viens une source de bénédiction. Combien de personnes envoient mon message? Pasteur, comment je peux faire? C'est un qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je peux aider l'œuvre de Dieu. Alors, je vais encourager maintenant, tu peux trouver, et dans nos conduits, ce qui peut apparaître au bas, ok, et là, tu peux
faire ton versement. Ok, faire ton versement, faire ton don, faire ton offrande, avoir ton dîme et aussi si tu as envie qui nous capable et ban pauvre avec substance qui tu en as, ok, ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Vine un peuple mature. Vine un qui ken mature l'on sa niveau là. Et moi, si et toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appellement, qui finit de moi la vision, il pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil comme Paul pour dire, je ne prends pas à ma détresse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce matin, moi, je partage avec vous 5 petites choses bien importantes pour qu'ils nous capables d'avancer. Amen. Nous finissons dire ça pendant la semaine, nous faisons une cause, nous faisons une annonce qui nous pour cause aux 5 petites choses qui sont jeunes, bien connues pour qu'ils soient capables d'être bénis en 2023. Amen. Rapidement, nous prenons la Bible avec nous et nous ouvrons nous les cœurs. Amen. Alors, moi, pour faire la lecture de la parole de Dieu, c'est le verset de base dans laquelle le Saint-Esprit cause avec moi pour qu'il nous capable de comprendre quelque chose. Moïse simplement commence par ceci. Imaginez-nous, ou bien besoin pour lui et ou un quelqu'un qui pas trouvé. Ok? Ou un quelqu'un qui avec et ou bien besoin pour lui pour la première fois. Quelque chose que vous visez gagner pour qu'il soit capable d'arriver là-bas. Un transport. Pour qu'il te gagne transport maintenant, que vous visez demander un ticket. Qu'est-ce que vous visez pour ce transport là? Alors, si nous résumons ça, c'est qu'il nous visez gagner une connaissance. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire si ça avec là, il n'a pas gagné sa connaissance là, il n'est pas pour arriver là côté les bizarres, arriver. Écoute-moi, nous tous, nous avons une place qui nous peut arriver à l'église. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça là? Nous tous, nous avons une destination. La Bible dit nous comme ça dans Jérémie le chapitre 11, verset 29, je veux bien dire. Il dit comme ça, Dieu est dans un plan de bonheur et non de malheur pour nous. Et dans la version, dit, Dieu connaît qui plan y est. Mais écoute-moi bien. Souvent, des fois, nous ne connaissons pas qui plan nous. Et quand nous ne connaissons pas qui plan nous, il est difficile pour nous arriver dans destination. Nous prenons l'exemple avec là. L'invisible gagne une connaissance. Et c'est ça même qui est plus important dans la vie chrétienne. Vous êtes, écoute-moi bien. Beaucoup de gens disent déjà, dis-moi, pasteur, on connaît. Pour l'âge, etc., nous trouvons bien mature. Moi, je connais qui fait parce qu'il me nourrit moi avec connaissance de la parole de Dieu. Qui fait beaucoup de monde qui a des difficultés au fait pour vivre dans la vie chrétienne. C'est pas qui le diable empêche. Non, c'est qui je peine à aucun l'information. Connaissance pour qu'il se garde par nuit. Est-ce que je peux comprendre moi? Alors, je qui l'a en tant qu'enfant de Dieu, elle est une question que je veux bien comprendre. Nous ne sommes pas capables de vivre en dehors la parole. Nous devons vivre en dans la parole. Et pour qu'ils nous vivent en dans la parole, nous devons obligatoirement lire la parole. C'est là qu'il y a du succès trouvé. Est-ce que je te comprends moi? Alors, je vais introduire mon message ce matin. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Nous allons aller ensemble, encore une fois. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Après qu'il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et d'où sa première phrase, mon peuple est détruit. Qui fait le peuple de Dieu détruit? Le prophète Osée ici, il n'y a pas cause de destruction avec ban du monde de haut. Il n'y a pas cause destruction avec ban enfant de Dieu, le peuple Israël. Qui fait? Banaïn réside la connaissance de quoi? De la Bible, de la parole de Dieu.
Et c'est un des plus grands gaffes qui nous, enfants de Dieu, nous capables de commettre. Vous êtes, moi, dis, mon Dieu, tu es là. Chacun de qui peut suivre nos réseaux sociaux. L'important adorer. L'important prophétiser. L'important qu'il y ait parole connaissance. L'important dans tout. Mais ce qui est plus important, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que je viens de comprendre moi là? Alors, premier principe qui me tout le temps dit, eh ben, jeune, la jeunesse n'est pas trouve dans la peau. Soit la peau une vie vieille, soit c'est une vie blanche. Non, la jeunesse est un état d'esprit qui nous faisait cultiver tous les jours. Moi, je me dis, même au bon âge 65 ans, tout le temps, je pense comme un jeune. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Avant, je dis, ben, personnage, je partais à Facebook. Je partais dans Twitter, WhatsApp et autres. Mais aujourd'hui, ben, je servis ça parce qu'il est bon. Amen. Je servis ça pour cause que j'ai des enfants à l'extérieur. Longtemps, tu as besoin d'écrire pour une cassette, mettre sa cassette dans la dent comme ça. Tu as saisi, tu racontes une longue palabre après 3 mois qu'il t'en te palabre. Ok, alors c'est là après 3 mois qu'il lui fait une autre palabre. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, un seul clic. Est-ce que je peux comprendre? Alors, les monnaies bévinzen. Nous comptons pas les monnaies bévinzen. Je suis d'accord avec moi. Et dans certaines personnes, n'est plus capable de sortir, pas bien avec certains habillements. Par exemple, frère parmi vous connaissez ou pas d'éléphant, carabine couteau massique, n'est plus capable. Qui fait? Les monnaies insensées. Je peux comprendre? Alors, en tant que jeune, pour l'année 2023, nous puissions comprendre ça. Bon Dieu, ici, il y a un plan pour nous. Bon Dieu, ici, envie qu'il nous prospère. Bon Dieu, ici, envie qu'il nous réussisse. Mais nous avons une instruction, nous avons une connaissance qui nous besoin de gagner avec la parole de Dieu. Est-ce que je te comprends moi ce matin? Alors la Bible dit comme ça, puisqu'il te fait réserver ta connaissance, moi pour réserver toi et moi pour dépouiller toi de mon sacerdoce. Écoute-moi, dans l'Ancien Testament, nous tous, pas nous tous qui sommes capables de rentrer dans le ministère. Par exemple, Moïse, Aaron, Jésus et tout. Ben là, tu es sélectif. Mais dans le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous tous, nous sommes servants, serviteurs de Dieu. Amen. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors, si nous comprenons ça bien, même si dans l'Ancien Testament, pas tout le monde est capable de rentrer, et qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous tous capables de rentrer, il est possible que tu aies ici, tu arrêtes de servir. Pour quelle raison? Parce que tu méprises ce qu'ils ont fait. La connaissance. Et là, quelqu'un peut comprendre ce matin. Alors, nous devons comprendre ceci. L'important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas réussi aucune connaissance. Nous n'avons pas réussi de connaissance la parole. Et dans certaines difficultés, et dans certains problèmes, et dans certaines angoisses qui nous peuvent vivre. Si seulement tu gagnes un petit point, l'éclairage, la lumière, dans cette situation-là, tu te mets ouvert. N'ont apporté une connaissance. Comme quelque chose qui moi mon pas tu connais, un petit livre qui m'a lié tic. David, ça te fait mal. Un point. Fini. Et comment un bishop vient d'affaire, il dit, qui peut contrôler le monde de la religion aujourd'hui? C'est mon livre. Tu es d'accord avec moi? C'est la connaissance. Réfléchissons ensemble avec moi. Plus religion qui est là, plus beaucoup. Non, plus beaucoup fidèle. Non? C'est ben livre qui peut contrôler sa personne. Je suis d'accord avec moi, la Bible. Pour les disciples de Jésus. Je suis d'accord avec moi. Ainsi, ben les autres livres qui est là. Mais qui permet sa du monde pour suivre certaines religions là? C'est la connaissance. Alors la connaissance est bien importante pour qu'il nous capable de fonctionner dans une liberté. La Bible dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Qui fait la Bible dire ça? La Bible n'est pas même maudite des enfants, là, elle dit, à cause qu'il te résiste la connaissance, à cause qu'il te bannit la connaissance de toute la vie, tes enfants aussi pourraient être oubliés de Dieu. Pour quelle raison? Quand un papa gagne connaissance, les enfants aussi pour gagner connaissance. Je peux comprendre moi ce matin. Alors, qui, ici, surtout à l'église, nous mettons beaucoup l'emphase là parce que moi-même, avant, moi, tiens quelqu'un qui est parti content de la connaissance. Au commencement, je me rappelais ça, je me disais non, pas besoin de connaissance. Après ça, on a compris les affaires. David,
certaines connaissances amènent certains éclairages et certains éclairages amènent certaines prospérités. Demande bon amen ici. Amen. Ésaïe, le chapitre 29, le verset 13, et nous voulons Psaume, le chapitre 27, le verset 4. Regarde ce que la Bible dit ici. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Première quelque chose qui me l'est, premier principe qui me l'est cause avec Dieu de ce matin, pour qu'il soit capable de comprendre qui fonctionnement, premier fonctionnement qu'un zen bizin est là, c'est valorise un culte. C'est des trois temps, mon réfléchis un petit peu là, moi ici, moi j'ai David, est-ce qui. Je connais aujourd'hui l'église, une vine, comment dire, un supermarché. Vini, prends guérison, allez. Vini, prends restauration, allez. Mais mon Dieu, fais-moi comprendre les affaires, vous êtes. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça. L'objectif de l'église, la raison qui fait l'église DM ici, c'est que nous tous, nous venons, nous offrir un culte à Jésus. Comprends-moi ici, s'il vous plaît. Beaucoup zen. Je te dis, moi, l'oreille, si j'écoute ça. Je n'ai plus compris ça. Longtemps, quand nous parlons l'église, nous disons, nous parlons offert un culte à Jésus. Mais aujourd'hui, nous n'est plus et dans sa principe qui nous parle offert un culte à Jésus. C'est pour cela que la Bible dit comme ça, je peux venir, je peux honorer moi avec la bouche. De la lèvre, mais de lesquels qu'ils affaires éloignés de moi. Pour qu'ils affaires et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte tradition humaine. Vous avez compris cela? Beaucoup de personnes peuvent venir à l'église, beaucoup de jeunes peuvent venir à l'église avec un principe humain. Parce que David, aujourd'hui, beaucoup de cinq choses qui vous révolutionnent l'année 2023. Moi, allez, moi, prends ça, moi, retourne la case. Écoute-moi bien. Il n'arrive un temps pour que nous mentalisions sans l'église. Est-ce qu'ils auront pour moi ici là? Nous pouvons à l'église maintenant parce qu'ils nous reconnaissent qu'il y a un Dieu qui nous préserve nous pendant la semaine. Nous pouvons à l'église pour nous adorer sa grand bon Dieu pour laquelle qu'il finit de nous courage, la force, l'énergie, la vie, l'air qui nous respire, que ça n'a pas l'air ici. Personne n'a pas payé l'air. C'est ça la crainte là que nous pouvons bizarre là. La Bible dit comme ça, Dieu même, lui fin donne le repos. Non? 6 jours, lui fin travail, et 7e jour qu'il fin faire, lui fin reposer. Lui fin contempler de ce travail. À plus forte raison, maintenant, nous qui enfants de Dieu, nous qui sommes jeunes dans la foi, qui nous peut bien faire. Dimanche, nous peut bien qu'on valorise. Amen. Tellement important l'église. Avec qui mentalité nous peut venir l'église aujourd'hui? Avec qui raisonnement nous peut venir l'église aujourd'hui? Est-ce qui nous peut intéresser pour venir l'église simplement? Oui, pasteur, j'ai besoin de la prière. C'est vrai, pasteur, j'ai prier pour toi. Pasteur, n'est qu'un papa, n'est qu'un d'amour. Mais écoute-moi bien, viens l'église pour adorer sa grand bon Dieu là. Et n'est qu'un béron pour moi ici là. Viens l'église pour adorer Jésus. Mon frère, monsieur, écoute-moi bien. Tout le monde passe situation difficile. Problème tombe l'autant que je le tri. Mais écoute-moi bien. Quand Jésus là, te boque pour rester stable. Demande-moi amen ici là. Amen. Quand Jésus là, tempête pas tempête, te bateau pour rester stable. Apprendre à adorer Jésus, vous êtes. Banzen, s'il vous plaît, me demande ce dessus là. Hier, je vais une vidéo à l'église en Brésil. Banzen, lui, un stade plus grand qu'il y a dans le Brésil. Juste pour adorer. Adore Jésus vraiment. Comment mon père ça ces derniers temps. David, est-ce qu'il nous content Jésus? Sois nous content, bénédiction, bénéfice de Jésus. Nous bizarre arriver à un certain niveau, à un certain stage dans nous la vie. Nous disons Seigneur, molé, content-toi. Merci Seigneur, donne-moi la vie, moi tu capable fini mort, moi tu capable fini faire accident, moi tu épargne moi de beaucoup de choses. Moi qu'on envie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend moi ici là? Moi content toi, moi dis toi merci.
et vivre une vie de reconnaissance. La raison qui fait nous venons un culte aussi pour dire Seigneur, mon reconnaissant vers toi. Ça d'accord avec moi, ça l'année là, bon Dieu avec lui. Ça d'accord avec moi, ça l'année là, bon Dieu prospère lui. Malgré des hauts et des bas, mon Dieu, Dieu, ça vous est. Et là, il y a un passé, moi, dans le problème. Et là, du monde, plus dans le problème qui t'a. Tu es d'accord avec moi? Et là, mon frère, mon sœur qui nous connaît, plus catastrophe. Hier, moi, à chaque fois, avant mon prochain dimanche, à soir, des fois, je me lève. Je suis venu debout de l'eau, la chair, comme ça, pour prier. Pour culte, grand matin. Bon, ben, Marcine, nous a fait une fois qu'il m'a passé, si j'ai moi. Moi, David, ici, l'église, Maurice, comme tu connais, nous est ingrat. Mais qui fait où dire ça? Je dis, mais l'église, pourquoi vous venez, c'est qu'il vient gagner? David, si toi, dans la Chine, bah, dans cette église, dans ce sous-sol. Fait qu'on m'a dit, on rentre là. Et il y a tout ce qui est bizarre ici. Mais l'église a dans ce sol en bas. Banane fouiller, fait une grande la cave. Donc, elle peut bien adorer comme ça, c'est que ça fait tomber toute la tête. Et là, à ce moment, je réfléchis, je me dis, Seigneur, qui a dit tout bon? Tu n'as pas le droit de sortir la Bible? Hein? Tu n'as pas le droit? Moi, je dis, Seigneur, merci. Moi, je dis, Seigneur, merci. Là-bas, paye dans l'église plus qui disent du monde. Mais ici, si nous, l'église, pas dépasse 10 du monde, parce que là, tu es frustré. Moi, je dis, David, apporte tes auditoires et frustré. Là-bas, non. Là-bas, deux ou trois. Je dis, l'église, c'est deux ou trois. Non, la Bible dit quand deux ou trois est rassemblé en son nom, il est arrivé Jésus présent. Je te réunis ici deux ou trois. Alors, mon commence à manifester une équerre reconnaissant à l'année là. Moi, je dis, Seigneur, merci. Seigneur, malgré ce qui me passe dans l'année là, moi, dois la joie. Est-ce que je peux comprendre la manzane? Nous pouvons bien comprendre ceci, nous pouvons bien manifester une équerre. Qui l'équerre? Reconnaissant. Dis ça, du monde à côté de toi là, j'ai dit reconnaissant envers Dieu pour ça l'année là. Amen, l'église. Alors, il est important qu'il nous. Manifester ça la joie là. Somme le chapitre 27, le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit ensemble avec moi? Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour qu'ils affaires contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et mon frère, mon sœur, dit David, ça l'équerre reconnaissant qui est là. Il dit, mon désir, ça ordamment. Vous voulez dire ordamment? Mon pressé. Hein? Mon tu as envie. Parlez-moi pour expliquer ça en créole. C'est-à-dire, mon tu as envie simplement habiter de ton temps. Contempler magnificence de ton temps. Est-ce qu'il ne n'est qu'un comme ça, Manzen? Bon, mais ça, bien, à chaque fois qu'il m'a pas téléphoné, moi, David, pas bien qui t'a appelé David, toi. Tu prends un équerre extrême pour le temple de Dieu. Et pourquoi je tout reconnais ça ici? Et je tout reconnais ça. Même mon épouse connaît. Mon capa a 1000 projets pour mon foyer, pour ma famille. Mais projet l'église pas avant Dieu. Non? Je connais vraiment Dieu. Un nom qui peut porter moi vers sa destination. Alors vous devez nous bien manifester ça l'équerre là. Nous devons manifester un équerre comme le roi David. C'est un amour de nous faire. Nous ne pouvons pas appeler un ministre pour nous rendre. Ce n'est pas mon nom, ça seulement. Amen. C'est parce qu'ils ont vu une génération comme l'équerre David. Et un équerre reconnaissant envers nous, papa. L'in bénis-toi, l'in prospère-toi et autres. Écoute-moi, quelques-uns, papa, qui a salaté avec ça, oubliez-vous. Toi, enfant de Dieu, le Seigneur me reconnaissant envers toi. Est-ce que je peux comprendre moi ici ce matin? Et n'en les qui est reconnaissant quand on peut venir un culte. Vous écoutez moi bien. N'a pas venir un culte parce qu'il y a eu mon besoin de bonheur là, pour mon capable de l'église, mon fatigué. Non. Et qui David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire en amont. Je voudrais habiter comme ça toute ma vie. Nous, des fois, nous plaignons pour venir un culte. Le roi David dit, mon vie reste dans la maison de l'Éternel. Tout sur la vie. Imaginez mon frère, monsieur. Quelle qualité de désir il y a dans ce l'église. Hein?
Quand décembre, nous trouvons, moi je dis merci Seigneur ici, hein, pour de gloire à Dieu, je félicite Dieu, je tiens les cœurs pour Dieu. Mais dans plusieurs places, l'église, là, 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 des membres, un membre. Parce que c'est la dépression. Hein. Qui fait? Parce que je peux gagner un liquide pour le royaume de Dieu. Est-ce que je peux comprendre moi, Manzen? Écoute-moi, c'est pas à cause des âmes qui ne peuvent pas venir dans la présence de Dieu. Moi, je dois continuer à écrire ça dans la Bible. Parce que des âmes, parce que j'ai besoin d'être la case. Mais 15 janvier, peut venir, frère. Je connais qui passait 15 janvier. Je ne sais pas qui passait 15 janvier. Je ne sais pas qui passait 15 janvier. Quand le 15 janvier, passait qui passait? Bat la mort là de Dieu. Est-ce que je peux comprendre là? Hein? Là où vous tout maintenant regarde l'église, vous êtes nous change de mentalité là. Là. Est-ce que je suis d'accord avec moi? Moi ici mon fait aller, mon arrêté fait aller. Non. Oh, faut des mots d'une situation, faut des problèmes, d'un pincement que moi besoin sincère. Là moi dis laisse-moi venir dans la présence de Dieu. Mais mon frère, mon cher, envers Dieu. Non, écoute-moi, qui est d'accord avec moi parce que avec Dieu là? Je suis d'accord avec moi parce que avec Dieu? Mais je suis d'accord avec moi, Dieu avec Dieu aussi? Les gars, Dieu, les gars, les gars, comment je peux fonctionner envers lui? C'est pour cela que j'ai trouvé dans cette bénédiction. Au fait, nous chrétiens, nous mal commençons l'année, mon capable de dire ça. Nous mal terminons l'année. Quand nous terminons, et mon bégué de ça en Afrique, là, termine l'année, frère, mon pasteur met rayon tous les jours. Mon fait bégué de ça là. Tous les jours, là janvier commencé, 40 jours, 21 jours, pasteur Marcelo, 21 jours, alpha 21. 21 jours et la réunion, grand matin. De 6h à 8h. 21 jours. Est-ce que nous, Mauritiens, ne pouvons pas faire ça? La pasteur nous travaille. Mais quel panafricain? L'année dernière, mon pasteur Marcelo, il met 21 jours grand matin, 21 jours tantôt, tu vois? En août. 21 grand matin, 21 tendu. Ça veut dire quand il n'a que le grand matin, il n'a que le tendu. Mais autour, nous pensons l'Afrique. Aïe, l'Afrique, nos enfants, mes mots, mais écoute-moi bien. Il y a un peuple qui peut élever là-bas. Il y a un peuple qui peut élever là-bas, vous autres. Qui fait, je compte en Jésus. Je compte en la présence de Dieu. Parce que moi, c'est l'esprit qui a fait, et la manzène. Sorti de l'église ici, là. Sorti va quoi? Sorti pour lui, je te morsais, je te vincule. Vous êtes esquiné dans sa désir, là, nous le cœur. Soit nous perdons ça la flamme, là. Est-ce que je peux comprendre, Manzen? Ou envie de prospérer 2023? Bon Dieu, si peut-être tout. Peut-être ou disposition. J'en sais avec moi disposition. Bon Dieu, si peut-être disposition, peut-être pour qu'il capable de comprendre. Est-ce qu'il vraiment te peut disposer en 2023? Et vous allez écouter moi bien. C'est vrai, toujours mon travail, moi, mais quand tu viens cul, bon Dieu, content. Et est-ce que vous pouvez comprendre ça là? Je qui m'aurais si je comprends ça. Quand je dirai maintenant, mon bouquet d'un ticket de mon foyer, mon pas mon madame, un ticket de restaurant, ou madame content. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Mais Jésus, si content. L'époux, nous l'épouse. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Quand nous donnons un ticket, nous l'étend. Bon Dieu, me prend plaisir. Est-ce que vous pouvez comprendre moi ici ce matin? Alors manifestez ça. Dis ensemble avec moi, Mobizin. On oublie fort, Mobizin. Manifestez l'amour pour le culte et pour Jésus-Christ. Amen. Semaine dernière aussi, mon assisté, mon reggaeton, ça témoigne en 5000 ans là, et mon fin extra content. Chaque fois, c'est l'année de mon pasteur, mon bénédiction, deux dimanches par mois, mon refuge ça. Banane me dit 2 euros de ce travail à cause de ça. Non? Mais. Une persévérée et aujourd'hui une gagne victoire. À un niveau, madame est vidéo, maintenant on bouscule des fois. Tu. Est-ce que je peux comprendre moi ici l'église? Ténace. Moi tout le temps je dis ça. Nous pas terminons nous dimanche ici, nous. Hein? Et même quelqu'un peut comprendre moi ici là. Nous commençons nous la semaine dans l'église. Nous commençons, nous venons nous prendre la force. Nous venons nous gagner l'onction de Dieu. Nous venons nous communier avec nos malfrères, nos malsœurs. L'Éternel allait nous faire explorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons un comprendre ce matin. Alors, deuxième petite chose qui m'a causé avec Dieu ce matin, c'est une petite chose bien importante. Proverbe 13, le verset 16. Et puis nous pouvons lire Daniel, le chapitre 9, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Proverbe. Toute
homme prudent, nous lisons ensemble, tout homme prudent agit avec. Vous avez vu ça là? Mais l'insensé fait étalage de folie. Ça n'a envie d'une connaissance ici là. Ça n'a envie d'une insensé. Non, nous pas capable d'une insensé insensé l'Église. Nous besoin d'une dimoule prudent et qui agit avec connaissance. Écoute-moi. Fais comment dire mon père moi c'est me connaît un trou. Un quel vigilamment il te connaît un trou devant là. Qu'est-ce qu'il fait? L'une de moi une connaissance. Est-ce qu'il m'a bouté dans ce trou là? Jamais la vie. Mon papa tombe dans sa trou là parce qu'il mon gagne l'information, mon gagne connaissance. Mais si mon père moi c'est un trou devant moi et qui n'a peine un quelqu'un qui donne moins de connaissance qui arrive au bout, moi pour tomber. Mon deuxième principe qui m'a enseigné ce matin, c'est apprendre à bâtir la vie par, moi j'ai bien, un livre spirituel. Vous êtes, ça c'est un des plus grands secrets qui, surtout dans l'île Maurice ici, Banzen pas intéressé. Enfin, pas tout, mais il y a beaucoup de gens pas intéressés pour lire. Aujourd'hui, nous avons un livre constant avec nous. Nous avons un livre qui parle de nous. Nous avons des difficultés pour lire. Qui est-ce que ça? C'est Facebook. Mais parce qu'il y a quelqu'un là. Oui, il y a une boucle là-dedans. C'est un livre ça. C'est un livre. Gloire à Dieu, vous avez fait le meilleur moment de la vie comme on désactive mon Facebook là. Ah, vous avez. Je peux lire extrême. Et un jour là. Je lis 3 chapitres dans un livre, 4 chapitres dans un autre livre. Qui fait ça, les temps qui me passer le réseau là, je peux édifier moi. Mais parce que, est-ce que la Bible montre Banzen qui lit? Oui, il montre, il m'a montré juste cela. Daniel, le chapitre 9, le verset 2. Il dit au premier, à. Il montre de Béréa. À première année de son règne, moi, Daniel, je vis. Par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Écoute ça bien. Daniel, tu es un jeune qui s'y travaille avec un les rois. Mais Dieu, tu finis de dire qu'il peut arriver relâchement de sa peuple. Écoute-moi ici, s'il vous plaît. Et là, comment Daniel est comme ça? Parce qu'il finit lire dans un livre qui s'y les a et qui finit écrire par un prophète avant de venir. Ah, est-ce que je vais arriver la journée ce matin? Vous êtes, écoute-moi bien ici. Et il y a un livre qui peut bouleverser la vie, te content ou pas. Mais parce que la Bible, me donne un témoignage. Quand on commence à écrire un livre, toujours, ben zalou. Man qui est zalou. Mais comprends là, ben c'est même, mais je suis zalou. Ici même de ce pays là. Quand on poste mon livre, mon met ça verset là, Osée le chapitre 4, là, mon met ça. Ah, qui te peut vendre le livre? Livre, c'est pas connaissance, ça, la parole de Dieu, c'est connaissance. Ah bon? Mais dans la Bible, là, explique-moi que ça dans ce livre, là. Dans la Bible, explique-moi qui ça dans ce livre, là. Et dans le livre de Daniel. De la quoi avec moi? Un livre qui est un homme inécrit, inspiré par Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée par Dieu pour corriger, reprendre et autres. Tu es d'accord avec moi? Daniel, tu es un homme de Dieu. Moi, pas un homme de Dieu, moi. Et le temps, une question commentaire. Moi, je dis si je peux répondre, toi, la femme, je fais une grande honte. Je préfère t'aimer mon Facebook. Non, apôtre Paul, c'était un homme de Dieu. Matthieu et autres, c'était un homme de Dieu, pareil. Et aujourd'hui, nous tous comme un livre. Si nous faisons compter comme un livre et d'un écrit par Manon de mais ça, beaucoup ça. Est-ce que je peux comprendre? Alors, passe-nous le temps étudier mon livre. Mais parce que, est-ce que la Bible pour de, pas de nous tout? C'est vrai, la Bible donne toi tout. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais souvent, des fois, nous faisons l'inspiration. Est-ce que je peux comprendre? L'inspiration dans un domaine précis.
Par exemple, je prends un livre là qui n'écrit ici, aidez votre pasteur à mieux vous aider. Amen. Me développe 5 à 6 contenus, 10 sur ça, topic là, et qui est basé aussi sur la parole de Dieu. Avant, mon Dieu Seigneur, me donne un exemple très clair. Avant, mon Dieu Seigneur, tu connais, je ne pas qu'on prêcher, je ne pas qu'on enseigner, je ne pas qu'on exhorter. Avant, moi, j'apprends à venir, à prendre verset biblique, à exposer avec le peuple sans une introduction, un développement, une conclusion. Comment mon améliorer moi? Mon pleurer un jour, mon homme dit, moi pleurer, mon Dieu Seigneur, qui comme ça ton abandonnement, te bise, explique-moi. Et bon Dieu, montre-moi. À travers quoi? À travers elle, un livre. 2023, Zen, tu as envie de prospérer, toi qui l'as eu du payement, tu as envie de dire, pasteur, moi, envie réellement réussir dans tout ce qu'il m'a offert. Daniel, il fait des affaires pour qu'on a prophétisé. N'a pas oublié ça, verset, les amis. Daniel, il fait des affaires pour qu'on a prophétie qui va arriver. L'in met son record, braqué, dans qui? Dans mon livre. M'aurait dit, tu es un jeune, pasteur, moi, envie vraiment sans moi la vie. Qui livre te payer en ce moment? Tu n'es pas capable de dire, moi, tu pas payé. Écoute-moi, vous autres, écoute ça bien. Même les 30 minutes, même les 10 minutes avant ta dormi, il y a un livre. Avant hier ça? Non, avant-hier. Avant-hier, comme on lit, on a une connaissance extraordinaire dans l'intercession. Là, l'année prochaine, là, nous pouvons mettre une intercession live. Mais mon apprendre la clé extraordinaire. Est-ce que je peux comprendre ce qui m'a dit juste ici? Ici, je vais passer à lire. Amen. Je t'y prends sa initiative-là pour lire mon livre spirituel. Amen. Tout homme prudent agit avec connaissance. Comment tu peux vivre un homme prudent? C'est quand tu gagnes la connaissance. Quand tu peins la connaissance, l'eau est le sujet. Tu n'as pas pour capable vivre épanoui. Aujourd'hui, tout le monde dit, mon pasteur, on connaît, c'est vrai, pasteur, mon envie. Oui, tu as envie, mais dis-moi dans qui tu peux investir. Et dans le livre qui tout le monde qui est content roule le tout, besoin de lire ça. Même si tu n'es pas content de lire. Côte de la route. Tu n'as pas dit, moi, non, pasteur, mon pas. Quand tu vois le congé, tu voulais lire, toi. Mais pour qui raison de lire ça? Parce qu'il te connaît dans l'examen devant. Il te connaît quand tu prends dans sa lutte là. Si tu n'as pas lié sa livre là, si tu n'as pas connu sa ronde avec sa barre là, fais nos entry. Qui va arriver? De vous rendre dans nos entry, de vous payer la manne, alors qu'il te vous fait de pour lire. Alors la Bible qui dit, tout homme prudent qu'il fait, il fait lire attention. Les gars, connaissance. Est-ce que je peux comprendre moi ici l'église? De la même manière que je finis lire, je te livre Côte de la route. Pas oublier, et dans mon autre livre, Côte de la route spirituelle aussi. C'est mon livre-là qui peut donner connaissance pour avancer. Je me rappelle, le premier livre qui m'a lié, c'était sur le rejet, par Joyce Meyer. Deuxième livre qui m'a. Moi, c'est mon livre qui m'a rendu en profondeur, hein? Comment écouter la voix de Dieu par Derek Prince. Et vous autres. Moi, je prends 3 jours, je fais 3 jours, je me rappelle ça bien. Je suis assis le mot Lili, je me dis, je ne vais pas pousser dans sa zène tant que je ne vais pas finir ce livre-là. 3 jours, quand je suis sorti, je donne la voix, mon Dieu. Je suis dans un ralentissement, une stagnation ministérielle. Bon Dieu, je dis, David, bao, je vais te faire 3 jours, je répétitif dans toutes les 3 semaines. Bon, madame, vous connaissez ça. Quand nous faisons ça, nous rattrapons les temps qui nous ont perdu. Parce qu'il peut connaître qui vous fait, pas peut connaître qui vous fait pour rentrer full time, pour parler de rentrer full time, qui vous fait. Hey, bao! Mais quand vous avez sa connaissance, ça, à travers un livre. Vous avez envie de prospérer en tant que jeune? Dis-moi qui livre vous lire, pour vous dire qui a été prospérité ou pour gagner. Est-ce qu'il y en a qui est un peu béni ce matin? Amen. Troisième petite chose qui est bien importante pour un jeune en 2023. Proverbe le chapitre 13, le verset 20. Amen. Et qui la Bible dit ici? Celui, nous dit ensemble, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve
mal. Nous disons encore une fois, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Meilleur conseil qui m'est capable de donner ce matin, c'est apprendre fréquente mankiken sage. Pas juste moi qui dis ça, la Bible dit ça. Mon Dieu, autant dit ça. Si vous fréquentez un kiken qui peut la dernière affaire avec bon Dieu, ou fréquente un kiken qui n'a rien à faire avec l'onction de Dieu, ou fréquente un kiken qui pour conseiller toi commettre le péché, de fréquente un kiken qui pour mettre ban moutouk dans la tête au niveau Dieu, te bouvine même qualité du monde. Et dans notre dicton qui la Bible dit même dans le proverbe, dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui s'en a te fréquenté, moi pour dire toi qui s'en a te pour venir. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut comprendre moi ici là? Les autres qui sont YouTube ici, écoute ça bien. Dis-moi qui s'en a te fréquenté, moi pour dire toi qui s'en a te pour venir. Chrétien, écoute-moi bien. Le mot chrétien, disciple de Jésus, c'est mis à bord. Tu fréquentes un camarade qui boit, qui fume. Tout là-dedans. Non, pasteur, moi, je suis fort, moi, frère. Tout pomme d'amour gâté. Quand il consigne une bonne pomme d'amour, il ne finit pas. Gâte-le. Est-ce que je peux comprendre moi ici l'église? Alors, nous bisons manifester l'intelligence. Disons ça avec moi, moi, intelligent, moi. Moi, pas un djimoun bête. Qui ça va nous côtoyer? Avec qui ça nous raconte nous mal problème, avec qui ça nous raconte la force, avec qui ça nous raconte nous faiblesse. Beaucoup du monde il est trahi. Moi j'aime beaucoup j'aime pasteur mon est trahi. Tu n'es trahi pas ce qu'il fait. Tu as rencontré un du monde insensé qui passage. Banzel écoute-moi bien, n'a pas raconté toute la vie sentimentale, toute la vie mariage, toute la vie conjugale. Surtout n'a pas raconté ça tout du monde. Rodin qui gagne ça, ce qui vous capable God de l'intimité. Est-ce qu'il y a un gagne pour moi là? Avant-hier, je crois que c'est un qui m'a gagné ça. Un grand man influenceur qui me suit, qui motive moi quand moi ici, je donne un moment de faiblesse. Il dit comme ça, simple. Je crois Jackman, ça me croit, Jackman. Je crois bien Jackman, ça c'est Diem qui est là. Qui est là? Alibaba, il y en a sa site là. Il dit comme ça, c'est tu fréquentes un millionnaire et toi tu es pauvre. Toi, tu es un millionnaire. Et pourquoi tu n'as pas de la Bible? Ça qui étonne moi, même dans les mondes séculiers, même dans les mondes normaux, du monde connaît ça. Je ne comprends pas qui fait nous pas qu'on a la parole de Dieu, vous êtes. Nous pouvons dire qu'on a la parole de Dieu qui fait pas ce qui, et il y a beaucoup de choses même qui peuvent bloquer nous. Et des fois, nous disons, ah non, le diable, c'est pas le diable ça. C'est toi-même ta fréquentation. Qui ça n'a pas te fréquenter? Tu peux fréquenter un homme sage, tu peux, un homme sage, une femme sage. Alors, si tu fréquentes quelqu'un qui n'a rien à faire avec Dieu, tu passes tout le temps avec une conversation, tu passes tout le temps avec une discussion et tu crois, non, et moi, je suis un bon Dieu, frère, il y a beaucoup de discussions. Paul même dit ça à Timothée. Il dit, évite une discussion qui ne peut pas amener nous à l'ennier. Dieu peut bâtir toi dans la foi, Dieu peut établir toi dans la foi, Dieu peut montrer toi comment la vie peut avancer. Tenir ferme même. Ah, je vais rompre mon moment là. Tenir ferme la même. Parle plus que ça. C'est là qu'il te succès trouvé. Est-ce que je peux rompre là? Écoute-moi, vous êtes nous lisez bien ouvert. Ça l'année là nous passer, même ceux qui fait que venir. Je trouve une situation qui m'a tombé devant ça. Parce que tu peux fréquenter bon Dieu ça a dit. Ah, est-ce que je peux rompre ça là? Quand tu fréquentes bon Dieu, Dieu ça a dit. Et il vous donne toi encore la sagesse pour qu'il te avance. Amen. Alors, tenir ferme. Ah, non, mon Dieu. Non, 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 pas de découragement là. Pour vous fréquenter ben, du monde sage. Et c'est là que moi ici, je vous viens. Du monde qui? Sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés. Qui ça n'a pas d'insensé, pasteur? C'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire que de dessiner.
Jodi banzen, mon petit j'ai ça même mon ban frère. Ah da, ça mon cam ça mon cam peu ça c'est pas qui m'a non que je t'ai vu. Frère, n'a personne qui plus grand ami que Jésus-Christ. Demande bon amen ici là. Amen. Jésus c'est lui-même plus grand ami qui est dans la terre. Ton envie fonctionne dans sagesse, l'intelligence, la foi, prospérité et autres comme Jésus. Quand tu pour connaître Jésus, tu prends la liberté et sa liberté là faut ta vie bien. C'est sûr ça. N'a pas dans le plus mon camarade préféré ça. Ah ça mon camarade pas aucun qui gagne mon camarade préféré. Une fois mon rentre le réseau sûr, moi j'ai une équipe camarade avant. Pas longtemps mon quand il y a 10 ans de cela. 3 ans de cela, moi je mets ça, ah, ça mon bon camarade préféré, ça, un prophète commette le mot Facebook. Je dis, attendez 3 ans de vous connaître avec le camarade préféré. Exactement. Exactement. Mon camarade qui moi je fais mot pour ce temps. Mot pour ce temps. Content je. Et moi je connais comme moi, tassé gagne du moulin, oh là là. Moi tassé extra. Mais j'ai aucun problème, c'est un djimoun cause moi. Je te ferme toute la bouche, je dis moi non, pas gain trac à toi, pas gain trac à toi. Les là bon tu causes avec moi de confinement. Non, confinement ça. Bonjour ma David. Si tu déconnectes avec Zeut, mon bénis-toi. Vous Zeut, c'est tellement dur. Je fais un groupe sur Facebook. Un camarade qui m'a connu avant ça de mon école pastorale. Et je connais qui m'ont fait. Mon avoué, je t'aime, mais vous avez excusez-moi parce que je me coupe ça l'alliance qui est énorme, moi qui suis là. Parce que maintenant, moi, il y a une lutte qui cherche pour faire. Si je t'ai envie d'une église, je vis une église. Mais si je n'ai pas envie d'une église, moi, je n'ai pas pourquoi pas faire ça. Mais, moi, mon bébé, j'ai avancé. Ah, yo, ouais, tu as un petit groupe, tu as ce groupe-là. Moi, j'ai frère, Jésus avant tout. Je vous dis, vous êtes. Mon tout résultat. Trop résultat et n'a pas un cercle camarade d'amitié quand t'as le diable qui a manipulation aux yeux et toi tu l'as enfant de Dieu. Tu dis qui fait moi bien avancer, qui fait moi bien avancer, moi bien tourner en rond, moi le peuple Israël, moi bien avancer, c'est Zis, tu es bien out. Tu tout te mariage, qui fait mon mariage comme ça, qui fait chaque fois mon fréquent ça, tu moulin, mon femme pas content, moi bon vivre ça, moi, mon femme pas content, mon femme pas content, hé hey, frère, ne fais pas en déo. Ou arrête des problèmes dans le foyer. Et je vais comprendre là. Et même les femmes, même les hommes, tu veux. Qui fait celui qui fait grandir une sage, lui vient. Sage. Et moi, tout le temps, je dis ça. Après Jésus, ou meilleur camarade, c'est aux femmes, c'est aux maris. Amen. Bon, amen ici là. Amen. Après Jésus, ou meilleur camarade, c'est aux femmes et aux maris. Est-ce que vous pouvez comprendre ici là? En tant que chrétien, vous pouvez dire là. Vous pouvez dire en tant qu'il m'en est convaincu. Non, en tant que chrétien. Ou meilleur camarade, c'est aux femmes et aux maris. Amen. Fréquente Bansaz. Dis ça, je vous la prédique de la jolie. Fréquente Bansaz. Je vais prendre quelque chose ce matin. Amen. Romains chapitre 15, verset 13. Avant d'aller quelque chose qui m'a causé avec Dieu, c'est ça. J'ai ensemble avec moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Encore une fois. Le Saint-Esprit. Encore une fois. Le Saint-Esprit. Et qui la Bible dit ici. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gets ensemble avec moi, gets ensemble avec moi ici. Que le Dieu de l'espérance, premièrement, quand tu fréquentes le Saint-Esprit, tu arrives, tu as l'espérance. Jodi banzen tris. Tu rends le Facebook, tu as ban djimoun 18 ans à 34 ans. Tu as dit de commenter. Surtout la fin du mois, quand tu fais un casse, fais pays d'être là. Je plaigne même. Qui fait? Paix dans la joie, paix dans la paix, et je pars dans la foi. Parce que comment vous caresse dans la foi, toi qui zène? Simple ça, mon frère, monsieur. Pour que vous abondiez. Je peux comprendre ça là? Je vais donner un exemple. Ça, mon bébé, il peut terminer là. Mais si mon vie, ça remplit, comment vous allez faire? Mon verre, mon rempli lit. Et là, lui, jaillir en abondance. Quand tu es un zen, tu passes le temps avec le Saint-Esprit, tu as l'intimité avec le Saint-Esprit dans toute l'assemblée. Je vais dire dans l'église, hein? Je vais dire côte-toi, côte-toi, côte-toi.
Tu as l'intimité avec le Saint-Esprit. Toi, si c'est, tu causes avec le Saint-Esprit. Une fois, passé, une fois, une affaire qui mon mari étonné. Et mon content de faire ça. Il prend une sèche comme ça. Dans mon école pastorale, qui m'en apprend ça. Et ici, il y a un Saint-Esprit assis là. Mon école avec toi aujourd'hui. Il a assis là, il cause avec le Saint-Esprit, il cause à un certain moment. L'une sentinelle rentre dans une conversation côté là, n'est plus un monologue et un dialogue. Et là, il commence, peine à personne là, mais le Saint-Esprit commence cause dans son esprit. Oui, oui, tu peux faire ça. Non, ça pas bon, ça pas là-bas faire ça. Est-ce que je peux comprendre ici l'église? L'intimité avec le Saint-Esprit. Tu as envie de vivre dans la joie? Tu as envie de vivre dans la joie ici? Non? Vivre dans la joie, vivre dans la paix. De toute joie et toute paix. Il n'est pas du moins qui la joie, il dit toute joie et toute paix. Amen. Dans la foi. Aujourd'hui, Manzen, depuis dans la foi, je peux suivre philosophie. Je peux suivre la motivation. Mon Dieu, j'ai la motivation. Bon, moi, on connaît comment mettre la motivation. Comment je pédale mon biscuit. Vous mettez ça sur. Tu es capable, tu es réussir. Qui va me faire? Vous me motiver, moi-même, je pédale toujours. Vous me lève pas dans la bisou. Mais comment dans l'intimité que le Saint-Esprit fait ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire là? Manzen, nous devons apprendre à mettre chaque chose dans une place. Quand on la case, c'est vrai, on a des temps pour manger, pour faire l'ouvrage, pour travailler, tout. Mais où le temps avec le Saint-Esprit prend mes affaires quand vous levez ça? Mon levé grand matin, qui m'a fait le Saint-Esprit avant tout. Saint-Esprit, bonjour. Pasteur Benny n'est qu'un livre. Good morning, Holy Spirit. Vous êtes salué, une bouleverse, mon avis. Pasteur Benny, nous rentrons sur la chambre, c'est pas comme un jour, le temps d'ouvrir la porte comme ça. Ce matin, nous décollons, vous ne savez pas, t'es en miraille. Simplement le Saint-Esprit. Ça vous voulez révolutionner le monde avec ce ministère. Nous sommes, nous ne pouvons pas révolutionner. Nous sommes, moi, sommes là. Personne ne peut pas nous demander à sommes là. Mais simplement le Saint-Esprit descend. La Bible dit au moment qu'il est dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit descend, frère. Multiplication des âmes. Pierre ouvert sur la bouche, causé 3000 âmes être sauvées. Nous observer, nous permettre d'un travail, pas bien passé. Mais est-ce qu'il y a une zone remplie de l'esprit, toi? Et n'est-ce qu'il y a un peu comprendre ce matin ici là? Nous remplis avec connaissance, tradition humaine. Répète ça vers cette tradition humaine là, s'il te plaît. Nous bisons, vous êtes comprenant bien. Nous, en l'église ici, oui, mais dans l'église qui bisons être remplie du Saint-Esprit. Parce que comment être rempli du Saint-Esprit? L'année prochaine, moi, un livre qui peut sortir, comment être rempli du Saint-Esprit? Ça pour bénir terriblement. Te passe-toi des temps avec le Saint-Esprit. Cause-lui, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, moi, qui est toi. Saint-Esprit, moi, recevoir toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Celui qui parle la langue, parle la langue. Quand tu peux parler la langue, qui te fait, tu peux bâtir toi. Moi, mon désir, moi, je n'ai fait, découragé net. Mon dormi, ça, je voulais, mon allongement, je me dis, pied en bas, mon allongement, je l'aurai beau. Après, moi j'ai mon sur YouTube, mon envie qu'il y ait un message sur le port de langue. Moi sur YouTube, mon get ça message. Moi ton comment y'appelle ça? Ça c'est là. Sinache, non? Sinache. Walking power, non? Santé là. Ben avait posé une question dans l'interview. Qui te secret? Lui dit mon premier secret, c'est my man of God. Lui dit comme ça quand bon Dieu donne moi, ce pasteur avait le pasteur Christ qui le met. Quand bon Dieu donne moi pasteur Christ. Mon reste à ce pied jusqu'à aujourd'hui et moi pour toujours rester. Mais deuxième secret, il dit le parle en langue. Il dit il parle en langue extrême. Aujourd'hui, il y a un jeune qui parle en langue. Si je devais dire à pasteur, je ne connais pas le parle en langue. Que Dieu, avec le temps, surtout l'année prochaine, là, pour un rayon mercredi, je vous explique tout ça là. Comme ça, je suis vous grandir. Amen, église. Alors, si vous là ou parle en langue, développe-le. Le parler en langue, c'est le langage de Dieu, ça. Quand on parle en langue, je peux dormir comme ça. Je sens, moi, reste en place, mais je sens moi-même levé. Je dis, c'est quoi ça? Et ça, je suis découragé. Mais quand tu parles en langue, tu peux causer avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit comme ça, celui qui parle en langue, il ne peut pas parler aux hommes, mais il peut parler à Dieu.
Et c'est une l'édification pour toi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui nous avons la clé que j'ai mais nous pas les mettre en pratique. La raison qui fait nous faible. Passe un temps avec le Saint-Esprit. Grand matin, quand te lever, premières affaires, moi tout le temps dis ça. Passe un moment dans l'intimité. Saint-Esprit, moi besoin toi. Si seulement nous tu connais un petit guide le Saint-Esprit et un tas de décisions nous pas tu peux prendre pendant la journée, vous êtes. Et dans beaucoup de décisions, nous pas tu peux prendre. Bonne wrong decision. Je peux comprendre là. Bonne mauvaise décision. Comme mes fois, le matin, j'ai dit à David, priez avant de sortir. Moi, priez. Le Seigneur dit à David, pas passe là, passe là-bas. Et les temps de l'eau internet. Accident à la place là, même les. Si seulement nous tenons l'intimité avec lui, nous n'avons pas de pour vivre beaucoup de riches. Est-ce que je peux comprendre moi, jeune? Nous avons envie qu'il puisse rester dans la foi, nous avons envie même qu'il nous fonctionne. Ok, mon Dieu, tu as mis ça bien ici là, non? Voilà. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Nous visons qu'à ce système-là. Allez, on va à l'église, on va à l'église, fini, danser. Dans les mots, nous tous salis, dans les chines, nous tous léchés, après, nous la carte. Non! Développe une relation réelle. Est-ce que je peux t'en ici là? Développe une relation réelle avec l'Esprit de Dieu. Monsieur le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et il donne toi ça gratuit. Développe-toi avec lui pour devenir fort et te revenir fort et te continuer à devenir fort. Les poubelles, moi tout le temps dire quitte un enfant de Dieu, quitte un chrétien, quitte un affaibli et te paie affaibli et te paie continuer affaibli. Parce que dans la Bible cause renforcissement. Bientôt, mauvais vin là. Amen. Renforcis-toi de jour en jour. Amen. À soi, t'es levé. Des fois, il y a un moi, je te ça sur PlayStation. Tu peux détruire ta subconscience et ta conscience. Te lever, te le Facebook. Non. Lever, prier. Demande-moi, amen ici là. Lever à soi, développe-toi dans le Saint-Esprit. Développe ton caractère. J'ai cet esprit, mon femme n'est pas d'accord avec moi avec ça. Mais est-ce que toi tu es d'accord avec moi avec ça? Seigneur, moi, je n'ai pas de travail. Non? Est-ce que tu es d'accord avec moi, Saint-Esprit? Qui m'a besoin de faire? Et arrive le moment, reste calme. Mon causé, maintenant, laisse le Saint-Esprit causer. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Ou une causé, mais laisse le Saint-Esprit causer. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est béni ce matin? Amen. Bien important. Développe où? Ou l'intimité avec le Saint-Esprit. Dernière quelque chose qui m'a proposé ce matin pour me terminer, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Et si moi, quelque chose de compensable, bien important avec moi. Pour tout banzen qui me connaît, je vous ai dit comme ça, mais je connais, je suis appelé à servir. Amen. Mais surtout, je te connais, je n'ai l'appel. Vous êtes de l'année, peut aller. Jour peut finir, calendrier peut changer, demain ce qui va de mentalité pas peut changer. Mais écoute-moi bien, c'est pas à cause de cette mentalité pas peut changer qui nous visons pas changer. Est-ce qu'il est avec moi ce matin ici? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai de mon esprit sur toute chair. Amen. L'hypothèse sur quelques-uns, hein? Suive-moi ici, suive-moi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous êtes, écoute-moi, en tant qu'un zen, nous disons, il y a une vision pour servir Dieu. 2022 passé, tu fais l'école ministère, tu es gradué et autres. Quitte aux prochaines visions pour l'année prochaine. Est-ce qu'après l'école ministère, j'ai dit aux autres qui finissent suivre l'école, finissent faire l'école ministère et l'école biblique, est-ce que l'année prochaine, tu pour involve, tu pour mettre toi, plus, tu pour donner les temps, plus pour servir Dieu? L'église peut viser ban jeune. L'église peut viser la force ban jeune. Jésus-Christ pas un vieillard, lui. Jésus-Christ c'est un jeune.
Ah, vous avez pour moi? Jésus-Christ, pas tient à 60 ans, dit. Jésus-Christ, tient à simplement 33 ans quand il m'aurait décidé. Il commence son ministère à 30 ans. Ça montre nous qui, le possible qui nous servit Dieu, amen. En tant qu'il est. Ah, demande-moi Amen ici, là. Amen. En tant qu'un jeune. Et la Bible dit comme ça, Dieu pourrait répandre son esprit, l'ONU. Ou en un état d'esprit jeune, malgré qui, ou avancé en âge, ou senti que vous pouvez servir Dieu. Servir Dieu. Cause Dieu avec Benjamin côté jeune. Prends un flyer évangélisation ici, donne d'autres travail. La côté jeune qui gagne, donne, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Invite Jimon, moi je dis, mon allégresse qui va passer la vie, mon béni, ton fait béni, tu es ici. Viens ensemble avec nous. Est-ce que je peux compenser que moi je suis là? Imagine Dieu, si chacun a mené un kiken là. L'église plein. Si chacun a mené un kiken, l'église plein. Alors, janvier, quand nous pouvons commencer, nous pouvons créer une campagne d'évangélisation. Nous pouvons faire un flyer et autres. Chacun pour besoin amener quelqu'un avec lui à l'église. Peu importe qui s'en a. Tu es un quelqu'un, tu es un camarade. Viens ensemble avec moi à l'église. Est-ce que je peux comprendre? Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit comme ça, quand quelqu'un dit un âme au Seigneur qui est arrivé, un père est ajouté au sur couronne. Et dans mon chrétien, quand on monte dans le ciel, je prends la couronne, mais la couronne pour vide. Mais il y a un chrétien qui fait un travail pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Banzen n'est plus en vie, gagne les temps. C'est pour cela que j'ai trouvé dans certains du monde quand on trouve nous un peut prêcher comme ça là. Je dis, ah, ça, man, ne peut pas imaginer. Je ne sais pas qu'on est depuis 8 ans, nous là. Je ne sais pas qu'on est comment les choses peuvent faire. Je ne sais pas qu'on. Non, je ne sais pas qu'on est. Qui faire? Du monde, il tellement banalise la jeunesse. Il tellement trouve un jeune qui commence une affaire, après, arrêtez. Non, vous êtes. Servi, bon Dieu, de toutes les guerres. Et n'est-ce qu'il y a un bon moment, il sort, c'est un instrumental là. Servi, bon Dieu, de toutes les guerres. Pas besoin d'attendre 40 ans, que tu as la case, tu as trois enfants et une madame de la case, pour qu'il devienne là, pour servir Dieu. Là, pasteur, je vais enjoy my life. Non, servi Dieu depuis la jeunesse. Servi sa papa là. Et n'est-ce qu'il y a un bon moment ici. Servi, bon Dieu, de toutes les guerres. Pas besoin d'attendre. Et n'a différentes petites choses qu'on va faire. Est-ce que vous pouvez comprendre ici là? Différentes petites choses. Nettoie l'église, ça peut servir le Seigneur. Invite Mandjimou, l'église, ça peut servir le Seigneur. Te rendre ton Facebook, te prends pasteur sur prédication, te poster ça sur ton Facebook, ton WhatsApp. Écoute-moi ici. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Ça aussi ça peut servir le Seigneur. Notre WhatsApp, c'est vous je. Servir le Seigneur à travers Jésus. Dieu pourrait répandre l'esprit dans eux. Dieu pourrait répandre l'esprit dans eux. Pour qu'ils aient une vision. Demande bon, j'ai une vision. Amen, l'église. Demande, j'ai une vision. Est-ce qu'ils ont une prévision là? Nous mettons debout rapidement, s'il vous plaît. Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a la l'onction est différent. Vous êtes bon Dieu, donne-nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changées. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande bon Amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouvé.